C'est insupportable, hein. C'est insupportable. Bref, salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Limbo. Et oui, je suis à fond sur Limbo en ce moment, et je suis à fond en fait sur les vidéos. D'ailleurs, Kingdom Hearts avance à grands pas, pour vous dire, j'ai fini le Colisée de l'Olympe, et je m'attaque au Pays des Merveilles, donc dans le coup, je pourrai bientôt reprendre les vidéos de Kingdom Hearts, mais pour l'instant, on va pouvoir continuer Limbo. Alors par contre, là, c'est pourquoi ça... Même sans option, bien sûr, sans action, le jeu un petit peu, c'est pas grave. Bref, la dernière fois, on s'était laissé alors qu'il y avait des enfants. Non, c'était qu'une terrible épreuve, notre épreuve de la mort. On a passé 19 minutes 19 putains de minutes. Désolé, j'avais dit que je faisais un explicable, mais bon, là j'étais obligé de souligner à quel point on a passé du temps sur l'épreuve précédente. Bref, on va continuer notre épopée. Bonjour, oh. Non, pas par là, non, pas par là. Limbo! Alors, on a un verre qui nous contrôle, j'ai l'impression. Et à la lumière du jour, ça ferait l'effet inverse. Oula, attention. Saute! Hop là. Ok. Et oui, mais bon. Ok, yahoo! C'est parti! On va pousser la caisse et on va laisser les oiseaux manger le verre. Ah ah, on est trop fort. Vous êtes gentils les oiseaux. Pour une fois, vous avez fait une bonne chose. Bref, continuons. Ah, j'ai toujours remis le chrono. Bah, c'est brave. Alors, voyons voir. Je sens le piège à plein nez. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas te rejoindre? Non. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire par là. D'accord, je suis sûr qu'il faut faire ça. Ya. 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 Ah non, à mon avis, il faut faire ça. Hop. Alors, il faut attraper le chien. Enfin, ça a l'air d'être un chien, il fait des bruits de chien. Hop. Allez, viens. Et je te tiens. Viens là. Viens ici. Ah oui, il va peut-être faire... Ah oui. Et donc, qu'est-ce que ça fait techniquement? Alors qu'est-ce que ça a fait? Ah, peut-être que je peux tirer sur le levier maintenant. Qu'est-ce que, what? De la pluie? Ok, on a fait court-circuiter les trucs en injectant de l'eau. Je sais pas ce que ça a apporté. Mais ça a porté. Peut-être qu'il y a autre chose à faire là-bas. J'ai l'impression qu'il y avait une autre plateforme. Ben finalement non. Donc je sais pas du tout ce qu'on a fait. C'est pas grave. On continue, hein. Que voulez-vous, on continue. D'accord. Oui, mais là je vais tomber dans l'eau. Ah non. À mon avis, c'est en train de remplir, mais... Il y a encore quelque chose qui va pas. Il y a encore quelque chose qui va pas. Ah, à mon avis, ça bloque. Et si je fais ça? Ah non, c'est bien ça. Voilà. Non, on attend que ça se remplisse. Et on arrête.
Et voilà, le travail. Ah oui, ça redescend évidemment. Ça aurait été trop beau sinon. Bref, bon bah ça c'est fait. Il pleut toujours. J'ai l'impression de jouer au jeu d'horreur de la ouais, je crois que c'était la Seconde Guerre mondiale, je sais plus. What the? Ah d'accord, c'était de l'eau. J'ai pas fait attention, pour être franc. Ah non, c'est peut-être du charbon. Pas du charbon, mais comment j'ai oublié le mot. Du pétrole, voilà. Ça doit être du pétrole. D'accord. Limbo. Je croyais que. Enfin, je sais pas si c'est accroché. On va vérifier ça. Oui, c'était bien accroché. C'est moi qui ai fait le con, en fait. Bref. Est-ce qu'on serait dans une usine à pétrole? J'ai l'impression, en fait. Ok. On va pousser la caisse, à mon avis, elle va nous être utile. D'accord. Ah, d'accord, c'est l'effet de lumière, je crois que c'était un trou. Alors. Déjà, il y a une trappe ici, à mon avis, c'est pas pour rien. Ah, putain, ouf. Ah, à mon avis, il va falloir grimper très vite. Donc, finalement, je vais plutôt me grouiller. Ah, il me faut la caisse! Ah non! J'ai compris ce qu'il fallait faire. Ah ouais, la vache, mais il va falloir aller vite. Je viens de voir. Je viens de voir, il y a un trou. Il y a un trou juste ici. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut faire. On laisse la caisse là. J'ai dit, on laisse la caisse là. Eh, mais je vais pas avoir le temps. Si c'est vraiment ça, je vais pas du tout avoir le temps. Ou alors non. Je vais jouer encore plus intelligemment. Et je vais me mettre là. Ah ouais, mais non. Mais non. Non, 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 je suis pas d'accord. Non. Non! Bref, c'était bien ce que j'ai fait au début. Faut passer par là. Le problème étant que faut grimper après. Et je fais comment pour grimper tout en tirant sur le machin? Parce que, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer sur la. Faut tirer sur la caisse et aller jusqu'au trou. Mais tu veux faire comment? Ah! Je viens de voir. Autant pour moi, j'avais raison en fait. J'avais raison, je viens de le voir. Finalement, j'avais bien raison, c'était comme ça qu'il fallait faire. Bref. On va aller repousser la caisse là-bas. Et j'avais effectivement raison, il va falloir grimper sur la caisse en question. On la passe. Peut-être pas trop loin non plus, parce qu'il faut qu'on arrive à grimper dessus. Et on va aller très vite. Hop, c'est parti. Allez, grimpe, Limbo. Voilà. Non, il n'y a plus qu'à attendre. La 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 la. Je mange du chocolat. Ah oui, je viens de voir les pics aussi. Donc là, il va falloir jouer. Stratégie! Voilà, bim! Est-ce que la caisse se fait écraser à la fin? C'est ça, je. Ah! Attendez! Est-ce que l'eau monte. Ouais, voilà! L'eau continue de monter! Wow! Doucement! J'ai l'impression que la caisse penche. On peut grimper. Ah oui, parce qu'il y a un trou en plus dans le machin. Wouhou! On est trop fort! Bref, il y a un truc là, c'est pas pour rien. Enfin, je suppose que c'est pas pour rien. Est-ce que ce serait pas pour boucher l'eau par hasard?
Ok. Oh, deux! What? Attendez. Attendez, non, 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 ouf, ouf, ouf. Non! Ah! Mais on reprend d'où là? Ok. Est-ce que faut pas aller en bas? Faut pas aller en bas, non. Et bah non, et non. Le jeu, non. Le jeu a dit non. Bref. Bah, je ne vois qu'une seule solution. Déjà, à mon avis, il faut ouvrir la trappe ici. Limbo, tu peux sauter. À mon avis, faut faire ceci. Et attendre là-haut. Bah, je vois que ça, hein, pour être franc. Voilà, là, je viens de comprendre. Il faut qu'on grimpe là. Et à mon avis, il va falloir taper sur quelque chose, hein. Parce que là, je vois que je peux pas. Là, je vois que je peux pas. Ah si! Ben non. Non, en fait, ça change rien. Ouais, mais je fais quoi là? Ah, c'est peut-être une caisse. Ah ben non. Ah mais non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ah non, et on va pas repasser 37 ans sur une épreuve. Hein. Là, j'ai déjà fait assez dans la première vidéo. Enfin, dans la seconde plutôt. Mais attendez, je vois pas trop ce qu'il faut faire là. Faut qu'on arrive à le pousser. Ah non, j'ai compris. J'ai compris. Là. Et. Bim! Maintenant! Voilà! Maintenant, on fait vite. On le pousse. Et on. Grimpe! Vite! Allez, Limbo! Voilà! On peut le faire, on peut le faire. Moi, je le dis, on le fait. Et là, on attend que le truc monte pour bah, monter dessus. Ah non, on est en train de le boucher. Mais what? Ah, d'accord. C'était bien une caisse, mais fallait la faire monter. Oui, c'est vrai qu'il y avait un trou. Enfin, il y a des trous, donc... Ça y est, l'eau s'est arrêtée. Ouh. Et bah, c'était bien, ça. Ah, il y a un interrupteur. Ah, je sens bien l'interrupteur piégé. Pas vous? De l'eau! Ah bah non, finalement non, parce qu'il nous fallait une plateforme, donc non, c'était pas piégé. Trop tôt! Ah, même pas! Là par contre, c'est peut-être un interrupteur piégé. Est-ce qu'il faut pas faire ça par hasard? Je suis en train de me demander. Ouais, non, ça sert à rien. Parce que maintenant, je me méfie, j'ai l'impression qu'il y a des pièges partout. Alors, maintenant, on grimpe dessus. Et si j'ai bien compris, il faut aller sur la caisse ici. Ah non, j'ai compris. J'ai compris. Là, encore une fois, il va falloir jouer... Enfin, non, en fait, je vais me faire foutre moi-même, quoi. T'sais. Ou alors, c'est qu'on peut sauter d'ici. Ah, quoique. Non. Bah non, mais qu'est-ce que je dois faire, en fait, là? Bon, là, j'ai compris, il faut que j'ouvre ce truc. Ah! Vous l'avez vu, vous aussi? Ouais, on l'a tous vu, je crois. En fait, l'eau arrive de droite. Mais... La gestion des seaux est ce qu'il y a de plus horrible dans Limbo, quoi. Ce jeu est bien, mais la gestion des seaux... Elle est vraiment pas terrible. Faut vraiment être stricte, faut vraiment être au bord, quoi. Faut vraiment être là, quoi, pour que Limbo fasse un saut parfait et puisse prendre la plateforme.
Alors, là, on va faire ça. Oh, j'ai cru qu'il allait pas l'avoir. Normalement, avec un peu de chance, ça devrait pas changer grand-chose. Bah, ça ne change rien du tout, en fait. Ah non! Ok, bon. Ça servait à rien, finalement. Ah, quoique. Ben alors, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je dois faire, en vrai? Parce que je suis sûr qu'au fond de moi... Je suis sûr au fond de moi qu'il faut tirer le levier d'en dessous. Enfin, le levier là-bas. Parce que de toute manière, il nous faut de l'eau à droite. Attendez, on va. Oula. On va pas faire le débile. Hop. On va aller réactiver l'interrupteur sans. Le poids tombé, enfin, j'appelle ça un poids, c'est une caisse, mais bon. Ouais, non, là on repasse au niveau. Je vois pas en fait les gens. Là, je suis bloqué. Oh non! C'est pas possible! Eh, mais je vais jamais réussir à faire un truc parfait. Attends, je vais faire un truc. Je reviens. Je fais une pause, j'arrive. Re donc j'ai fini par réussir. En fait, le truc c'était que pour vous expliquer, le premier levier, ouvrez l'eau pour qu'elle aille à gauche, si vous me suivez, va être simplement ouvrir et la fermer au bon moment. Il fallait juste pas mettre trop d'eau, quoi. Et donc voilà, là avec le poids, j'ai pu monter l'eau suffisamment pour aller sur la caisse et pour atterrir la plateforme. Bref, ça fait 17 minutes. On va faire un tableau et on va s'arrêter là. Ça va être le dernier tableau parce que ça va faire à peu près une vingtaine de minutes, je pense. Ça va être bon. Alors, oh, encore un verre. Oula, où tu vas, Limbo? Ah non, non, je crois qu'il fallait sauter. En effet, je crois qu'il fallait sauter. C'était une bonne idée, mais bon. Alors. Limbo saute pas assez haut! Est-ce qu'il faut... Non! Limbo! Mais il saute pas assez haut! Je suis censé faire quoi, moi? Ah non! Ah non! Ah non! Cette fois, je dis non! Il nous faut cette caisse! Ya! Oh là! Il va falloir agir au bon moment. Oui! C'est parti. Maintenant, on peut. Voilà. Maintenant, il y a la lumière du jour. Merci. Allez, va, mon petit Limbo. Là, il va falloir grimper aux échelles, ça va être mignon. Je dois aller où? Je dois aller où? Oh là! Eh ben, tu sais quoi? Ouais, à mon avis, faut pas que j'aille là. Il y a les oisillons, là, les oisillons. À mon avis, on va repasser par là. Hein. Mais bon, il faut, à mon avis, descendre. Ah non, il y a de la... On monte! Ah, il y a l'eau qui monte.
Très bien. Et où est-ce qu'il faut que j'aille? Parce que le monde, c'est bien, mais... Vous savez quoi? À mon avis, il fallait pousser le truc. Encore une fois! Bon bah, non mais Limbo, tu peux sauter. De toute façon, là... Oh, quoique! Quoique, avec un peu de chance. Si on va là... Bon, attention, non, là, c'est trop tard. Et l'eau est trop haute. Non mais l'eau est trop haute, tu peux arrêter. Attends! Et il va me faire reprendre d'où aussi. Waouh, il m'a fait peur lui. Mais en fait là je suis en train de voir, mais non, je ne peux pas le pousser parce qu'il est déjà dans l'eau. Hop. Donc faut être très astucieux en fait, j'ai l'impression. Hop. Il faut être très astucieux. À mon avis, avec un peu de chance. Ouais, non. Alors, finalement, non. La chance n'est pas avec nous aujourd'hui. Je suis sûr qu'il faut pousser la caisse. Si je fais la chose bien. Si je fais la chose bien et que je vais assez vite. Eh ben, je me rate. Voilà. Mais. Oh. Il faut que j'aille où? Oh oui! Il va réussir à venir jusqu'à nous, je le sens! Il a, il nous le dit, il nous fait. Ah, j'arrive! Je suis ton sauveur, j'arrive! Allez! Mais on va l'attendre jusqu'au bout. Parce que avec le verre, j'ai pas trop envie d'avancer, moi. Alors. La la la, c'est la chenille. Ya ya ya, attends! Et là, vous pouvez me le manger! Merci! Alors. Est-ce que c'est la fin du tableau, là? Non, c'est toujours pas la fin, j'ai l'impression. Je sais pas où on est, mais on y est. J'ai l'impression qu'on peut rien faire là, donc on va continuer à droite. Et bon, on va faire le saut, le grand saut! Ouh, Limbo, t'es trop fort. Bah vous savez quoi les amis? C'est parfait. Là le jeu, il m'a servi le truc sur un plateau d'argent. Bref, c'est ici qu'on va s'arrêter les gens. J'espère que ça vous a plu. J'espère que l'aventure Limbo vous plaît. Hein. Moi en tout cas, comme je le dis à chaque fois, ça me détend. Je suis bien moi ici en tout cas. Et bah, vous savez quoi, je m'étire. Vous me voyez pas mais je m'étire. Bref. Je le répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si c'était vous deux. Si je vais y arriver. Si cette vidéo vous a plu, mais bon, comme on le dit toujours, vous n'êtes pas obligé. À vous abonner si vous voulez suivre nos aventures, si vous en avez envie, hein, simplement. Allez sur le Twitter, parce que je poste pas mal d'infos. En ce moment, je suis. Peut-être plus, enfin je suis plus à fond sur Twitter pour l'instant que Cuba. Hein. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de trucs à dire hein, en ce moment. En parlant de Cuba, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. De ce que j'ai cru comprendre, il devrait bientôt reprendre. Ça devrait arriver, vous inquiétez pas, ça arrive. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez! Ciao les gens et que la puissance de l'eau soit avec vous. Allez, salut à tous et à la prochaine.